FDECO, meilleur parti politique au Congo. FDECO, la force pour le développement du Congo. FDECO, la lutte pour le développement du Congo. FDECO, le meilleur parti et l'avenir de demain. FDECO, meilleur parti politique au Congo. Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Et bien voilà, nous sommes toujours à Kinshasa, précisément à Angélie, quartier 1, la place qu'on appelle Planète J. Nous sommes venus assister à l'implantation du parti politique dénommé FDECO. FDECO, un parti qui a vu le jour à Johannesburg, un parti cher à l'honorable Aimé Bokassa. Coup de chapeau à ces géants parce qu'il a réussi quand même à implanter son parti politique dans tous les coins et recoins du monde entier, s'il vous plaît, non seulement de la République démocratique du Congo, mais partout au monde, l'FDECO a ses racines. C'est vraiment une force montante. Lobby, Bakobeta, Masolo, il y a succès, il y a parti Oyo. Et au Congo, il y a trop de partis politiques, mais sans membres. Mais FDECO a beaucoup de milliers et des milliers de membres. Voilà pourquoi j'ai des coups de chapeau à ces géants aimés, Bokassa. Tous ensemble, nous allons découvrir l'ambiance. L'ambiance qui est en train de régner à l'implantation de ces partis politiques. Et je crois la cérémonie d'aujourd'hui a bénéficié de la présence du président de l'FDECO lui-même, Aimé Bokassa. Page publicitaire et on se retrouve juste après. Merci, c'est parti. Sans rival, www.cntlive.com/sans-rival sur CNT Live. Bande Gombote, pour la Oba Ebingate, comme on a dit, monsieur Aimé Bokassa, Naza Ndekonabino Congolais, et donc, c'est mon mingi, beaucoup de temps entre nous en tant que Banamboka, Congolais. On a Kosoda Makambu, au Italie, parti politique Nabiso, FDECO, tout à Nenini, au Sanxamayele, on a comme parti politique Nabiso Liboso. Alors, les deux, na Tambolina Mogote, na Tambolina Bandekomi Balé, et ce ne sont pas de moindres au niveau du parti. Je vais commencer déjà par présenter à ma droite, Monsieur Joe. Monsieur Joe Mulongo, il fait partie de Aza Moko Yabandeko Oyo, contribuant qui na cadre ya création à partir Oyo na Afrique du Sud, na Johannesburg, et Pretoria. Après, Ndeko Oyo, Aza parmi Bakonzi, Minene à partir Oyo, Bamessa, na les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, après se présenter à Osolana Bissoma Mouké, pour que mon aimingi, na makambounyoso Oya Salaka, na kati ya réseaux sociaux. Aza, responsable à partir, na niveau ya Londres, na Angleterre. Sikoyo a décidé que Azonga Awa, Ponake, Elongo, Tomema, Elongo Nabiso Oyo, Nikolo Koleka. Eh bien voilà, à tout seigneur, tout honneur, je crois qu'on doit honorer les gens qui méritent aussi l'honneur. Il y a beaucoup de nos politiciens très célèbres, mais sans base. On doit honorer ceux qui ont la base, comme l'honorable Aimé Bokassa. Il a sa base en Afrique du Sud, il a sa base au Congo, partout. Dans tous les coins et recoins de la capitale, il a sa base en Europe. Il s'agit des FDECO. Alors c'est lui, le président. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Sans Rival, et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices des Sans Rival. Le secret de ce succès, de cette réussite, en un laps de temps, vous avez gagné quand même beaucoup de membres comme ça, partout dans le monde. La simplicité, le secret c'est simple, c'est la simplicité.
l'honnêteté, l'intégrité, le respect, l'excellence. Il faut être, il faut pas être faux, il faut pas être hypocrite, il faut être ce que tu es. Et je m'adresse à tous nos membres FDECO en tant que monsieur, leur frère, leur cousin, leur ami, leur compatriote congolais. En tant que citoyen congolais, il y a une vision pour le meilleur du Congo. Donc sans hypocrisie, sans fausseté, je suis naturel. Il n'y a pas à y cacher derrière. Quoi. Que peuvent retenir nos téléspectateurs des FDECO? FDECO, en un mot, FDECO. Ils peuvent retenir quoi de FDECO? Le spectateur, les téléspectateurs et spectatrices de, qui nous suivent peuvent retenir que FDECO, c'est le futur de la RDC. FDECO est en train de grandir du jour au jour. On ne fait pas de la magie. Nous pensons que nous avançons, nous avons la grâce de Dieu sur nous. Et cette grâce-là nous amène partout. FDECO est le futur du demain, le futur du Congo. Nous allons changer ce Congo. Les changements réels, les changements tant désirés par le peuple congolais est en train de venir par FDECO. Cette jeunesse que vous avez vue ici, c'est ça le cœur de FDECO, c'est ça l'avenir de FDECO. C'est cette jeunesse ici qui va changer le Congo. Et donc, à tous ceux qui nous suivent, eh ben, le message c'est simple, venez adhérer à FDECO, venez ensemble, bâtissons ensemble cette force politique de manière à ce que nous puissions reconquérir notre nation et nous puissions transformer notre nation et en faire ces bijoux que le Congo mérite d'être. Son rival, je suis connu pour la vérité, je suis connu pour la vérité, Alors, là où mon frère que j'aime bien, je le salue en passant, Gabriel Mo qui a échoué, très célèbre, mais, tous ces membres ici, au pays Sabangonini, pour avoir la culture congolaise, quand ils viennent, au retour, c'est le transport. Quand ils viennent, au retour, ce sont les polos. Quand ils viennent, au retour, c'est la culture que Mobutu nous a laissée avec son MPR. Le FCC ou PPRD a hérité quand même cela. Aujourd'hui, il n'y a que l'UDPS, au Batouba Kotaka, Namitema Mobimba, vraiment, il y a souci à la partie politique. FDECO va vraiment emboîter les pas. Non, on n'est pas entré en politique pour ça. On est entré en politique pour effectivement changer ces antivaleurs-là. Toutes les personnes que vous voyez, toute la jeunesse que vous avez vue là, ils ne sont pas venus parce qu'on a payé les transports ou bien parce qu'il y a des t-shirts. Ou non, c'est le patriotisme qui amène, qui pousse tout le monde à venir. C'est l'amour du pays qui pousse tout le monde à venir. Et je vous ai dit tantôt là que FDECO, nous ne sommes pas faux. Nous sommes open, nous sommes intègres. Donc... on n'est pas des millions, on n'a pas des millions pour venir distribuer. Si on continue avec cette conception-là, c'est qu'on n'a pas compris, c'est qu'on n'aime pas les Congos. Ici, le travail que FDECO est en train de faire, c'est un travail basé sur le patriotisme, un travail basé sur l'éthique et la déontologie. Donc, il est possible de faire la politique différemment dans ces pays. FDECO est en train de se positionner comme étant un parti politique de proposition, pas un parti politique qui va faire du bruit à gauche, à droite, mais un parti de proposition, et lesquelles propositions nous allons les amener jusqu'à ce que nous aurons atteint notre objectif et évidemment diriger ces pays un jour. Je crois, monsieur Aimé Bokassa, on a toujours été ensemble à Johannesburg, en Afrique du Sud. Laissez-moi vous dire que, en Afrique du Sud, c'est un baron. S'il faut compter des riches, c'est un riche. Bandeko, forme, mituka, y a forme, nous serons mon amoué panaye. Oh, Lucanini, Lamborghini, oh, ML, oh, Chipiatel. Y a Porsche, mon amoué panaye. Boko, ça m'a été, Bandeko, y a jeté. Na Djobour, Ndegonanga, na Tambola, na Moutouka, na Yapesangai, pendant des semaines. Alors, vraiment, un mot, un petit mot de la fin, votre contact, parce que les gens vous suivent en ce moment, ils veulent adhérer à la vision. C'est très capital. Très déçu, dans ma partie politique, et Bélé, Bayeba, qui n'a qu'à là. Très
très très déçu, mais les lobes sont parti politique mokoza vraiment sérieux, un parti politique sérieux au bakokokota même na quoi nous sur mon esika bazali. Bon, juste pour revenir à ce que notre ami le journaliste vient de dire, ce qu'il a dit là, ça l'engage qui lui, hein, ça ne m'engage pas moi. Moi, je vous ai parlé de ce que je suis, du sens même de mon combat, un combat basé sur l'éthique et de la déontologie, un combat où nous voulons réellement apporter le vrai changement dans notre pays. Vous avez beaucoup combattu Kabila, vous n'avez pas peur d'être inquiété ici parce qu'on dit que c'est lui qui dirige toujours, c'est lui qui est toujours aux affaires. Vous avez vraiment combattu Kabila en Afrique de ce sens. Je le sais, on a été ensemble. La République démocratique du Congo n'appartient pas à monsieur Kabila. La République démocratique du Congo appartient à mademoiselle Félicité, à Aimé, à moi, à vous et à tous les autres. Donc on n'a pas peur parce qu'on se bat pour le bien-être de notre pays. Donc celui qui va nous combattre, c'est que c'est l'ennemi du peuple. Nous, nous nous battons parce que nous voulons que notre pays devienne un pays modèle, un pays qui est debout, un pays qui prospère, qui avance et que cette jeunesse puisse avoir un espoir et qu'il puisse hériter d'un héritage digne, pas l'héritage comme les Mobutus et les Kabilistes nous ont laissé. Donc on n'a pas peur. Si on avait peur, on ne serait pas en train de faire ce que nous faisons. Donc on n'a pas peur, on va aller jusqu'au bout et nous allons arracher ces pays d'entre les mains de tous ceux qui nous ont mis dans la situation où nous sommes aujourd'hui. 8 mois du travail avec le président Félix Tshisekedi. Un mot à ces géants congolais. Eh bien, écoutez, FDECO, on ne s'en cache pas. On soutient les actions du chef de l'État. On va les soutenir avec force jusqu'à la fin de son mandat. On veut qu'il puisse réussir parce que la réussite du mandat du président Fatshi, c'est la réussite de la RDC. Son échec, ça sera l'échec de la RDC aussi. Donc on est là, on doit le soutenir pour qu'il puisse réussir son mandat. Donc on est vraiment derrière, on l'encourage, on le soutient et il peut compter sur nous. Votre contact, ça n'a pas dit? Oh non, le contact, vous le verrez au bas de l'écran. Le contact, il y aura le site qui est www.fdcongo.net. Et si vous allez sur le site, vous allez voir toutes les informations concernant FDECO. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranchée. Je crois qu'on doit rester soudés, Congolaises et Congolais, soyons unis, soyons vraiment unis. Je regrette ce qui s'est passé en Belgique. Nous disons non au tribalisme. Encore une fois, dans FDECO, il est temps de fréquenter ce parti politique. Vraiment, on combat aussi le tribalisme. Mais ce qui est important, c'est mettre sur le terrain tous les moyens possibles pour combattre ce tribalisme. Le dire comme ça, c'est bien, mais n'abattre au bazar qu'on continue le tribalisme, il faut qu'on s'en aille à Bango Nini. C'est très capital qu'on corrige Bango Nini. Et ça, vraiment important, ma casse. Il faut prendre des dispositions. Quelles sont les dispositions qu'on peut vraiment, les lots, qu'on engage pour n'a qu'au télémela, moutou à Zoufinga, bah, Congo, moutou à télémé, à Zoufinga, bah, Luba, ou à télémé, à Zoufinga, bah, Tobandundu, à Zoufinga, bah, Swahili. Alors, ça, nous disons non, le Congo restera un et indivisible. Merci encore une fois à vous. Merci beaucoup, son rival. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. Ça coule à flot ici à la place Planète IG, tout baigne dans l'huile avec l'FDECO qui a réuni un bon nombre de gens vraiment dans son parti. Je ne sais pas, FDECO, Basimikisi ou quoi, c'est rare. Hein? Il y a Batouba Kote dans le parti politique et Bélé Boyé et Balandi Mbongote fédéral. Il y a Katanga Azanabiso. Bonjour. Bonjour, je réponds au nom de Cédric Swan. Je suis le fédéral du Katanga, venu en renfort à Kinshasa, déjà ici à Tchangou, pour pouvoir assister à la troisième réunion. Parce que nous sommes en train de mettre en place les fédérales au niveau de Tchangou, les communales, pour pouvoir vraiment organiser. FDECO à Simbiki Cité. FDECO veut ramener le pouvoir réellement vers le peuple. FDECO veut vous donner à vous la force de vous lever et de changer les choses dans votre pays. FDECO est réellement la synthèse de l'amour que nous avons pour notre pays. Et donc, aujourd'hui, partout où vous êtes, si vous nous entendez, Boyana FDECO, Botondana FDECO, parce que nous avons besoin que notre pays soit réellement représenté, soit entendu, et que votre voix, et j'insiste sur ce que je dis, votre voix compte, votre opinion compte, et au sein de FDECO, votre opinion ira de la voix. En tout cas, je n'ai qu'une chose à dire, FDECO viva. Elle est là, FDECO. Pourquoi seulement FDECO? Tu veux pas aller à la partie à PPRD? Tu veux pas aller à la partie à Olengankoy? Au Ponikaka FDECO. Pourquoi?
parce que c'est un parti déjà dès le départ, ça m'a tiqué par son fond, par sa forme. Bon, c'est un parti seulement. Le PRD ne t'a pas tiqué. Bon, pas forcément, pas du tout. Je suis okay. Intéressée par ça. Elle n'était pas intéressée, n'a pas perdu, désolée pour n'a pas perdu. Alors, juste un mot, maintenant, à tous ceux qui vous suivent en ce moment, les jeunes comme vous, dites-leur un mot par rapport à FDECO. J'invite le jeune de venir s'intégrer à l'FDECO, surtout les femmes, parce que déjà, c'est un parti qui est là pour la force du développement. Donc, nous voulons aller de l'avant. Et j'invite tous les jeunes, et surtout plus les femmes, les filles et les femmes, d'intégrer les partis. Vraiment, merci. Bien parlé. Juste 30 secondes. Nous reste seulement 30 secondes. Un petit message. Merci. Moi, c'est le camarade Descartes, fédéral Massina. Je suis très content d'être membre d'FDECO et de contribuer. Je suis chargé de projets aussi au parti. J'ai un grand projet avant 2035, de donner un projet meilleur rien que pour la ville de Kinshasa. Comme le Nigeria a changé même l'image de son capitale, de Lagos à Abuja. Alors pourquoi pas Kinshasa aussi devenir comme d'autres villes que nous voyons, Johannesburg, Paris, tel. Vous adhérez à l'FDECO, pourquoi? D'abord, j'aimerais dire que si nous sommes adhérés à l'FDECO, ce n'est pas parce qu'on nous a donné une modique somme, mais si nous sommes adhérés, c'est parce que nous avons été vraiment convaincus par les idées de notre président Aimé Bokassa et qui nous a permis vraiment d'être ici. Au-delà de ça, ce qui nous a vraiment convaincus de s'adhérer dans ce parti politique, c'est d'abord ces idées qui a vraiment pour les Congos. Parce que partant de la réunion d'aujourd'hui, notre président nous a montré que le Congo, pour que c'est notre pays atteindre le développement, c'est nous-mêmes qui nous sommes les enjeux mangeurs pour que nous puissions permettre à notre pays d'atteindre le développement. Et voilà, avec cette idée, nous partons sur la tête. Nous allons travailler pour ça, pour aider notre beau patrie à accéder au développement. Vraiment, merci. Je vous remercie. FDECO, c'est un parti qui me fait plaisir de devenir membre et un délégué communal. C'est parce que nous avons une nouvelle vision. Nous voulons faire en sorte que nous ayons une nouvelle mentalité pour notre Congo. Alors sur ce, je fais appel à toute la jeunesse congolaise, à ceux de la Tchangou et surtout de ma commune de Kimbanseke, de venir massivement à l'adhésion de notre parti qui est la FDECO. Et sur ce, je vais faire réveiller tous ceux qui rêvent encore sur leur laurier, de faire réveiller leur talent. Parce que FDECO, c'est une nouvelle mentalité qui s'instaure dans le domaine du parti politique. Ah, vraiment, merci Guy qui me suit en direct de l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, à Jamestown. Ah, ben voilà, des salutations à toi et à tous les enfants et ta famille. Oui, merci pour cette question. Vous savez, la force pour le développement du Congo, FDECO en sigle, c'est mon parti politique, notre parti politique. Et on vient de passer une réunion très spéciale où nous sommes en train de chercher à matérialiser la vision de FDECO au niveau des communes, des quartiers, des avenues. C'est-à-dire, nous devons avoir des dirigeants, en fait, nous préparer à l'horizon 2023 pour affronter les élections. Comme tout parti politique, nous sommes en train de vouloir voir le développement du Congo. Donc, d'ici encore peu de temps, nous voulons voir le Congo changer. Donc, le bien du Congo bénéficier aux Congolais. FDECO a vu les jours à Kinshasa, il n'y a pas longtemps. On vous voit. Une année, deux ans après, ça ne sera plus FDECO, mais ça sera ton parti politique. Et tu vas mener la rébellion, tu vas mener beaucoup de membres. Balandayo Nassima, ça a toujours été comme ça. Bon, bien sûr, monsieur le journaliste, c'est ce que les Congolais ont toujours vécu. Il y a cela des années, depuis que nous avons reçu l'indépendance, mais nous sommes venus pour les changements. C'est la raison pour laquelle même l'appellation même du parti vous dit la force pour le développement du Congo. Nous voulons vivre dans l'unité et dans l'amour. Nous voulons écarter le tribalisme, nous voulons écarter tout ce qui ne bénéficie pas aux Congolais. Nous voulons voir vraiment le Congo changer dans l'unité. Et je vous assure que le parti politique FDECO n'est pas un parti politique
qui ne m'appartient que moi. Non, non, les partis politiques FDECO appartiennent à tous les Congolais et ces partis politiques sont pour les Congolais. Donc, bénéficiez aux Congolais. Merci. En tout cas, et l'FDECO est un grand parti. Vous-même, vous avez vu le nombre de personnes qui sont venues pour s'adhérer. Comme pour dire que le parti FDECO attend à pouvoir et toucher tous les recoins de la République démocratique du Congo. Vous allez déjà comprendre que le parti est vraiment en émergence, s'engageant pour les soucis, pour le développement du Congo, aussi bien que du peuple congolais. Parce que nous autres, nous faisons... Un petit mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous appelons la jeunesse à pouvoir venir et s'adhérer. Parce que le parti a grandement ouvert et ses portes à quiconque veut pour le développement du Congo. Voilà, l'adhésion est massive de tous les jeunes, sans distinction aucune des races et des sexes et que sais-je encore. En fait, ce qui m'a vraiment fait pousser à participer aux réunions du parti politique FDECO, c'est sa stratégie en fait de pousser les jeunes, de sensibiliser les jeunes pour un Congo plus fort, un Congo développé. Tu as créé aussi au parti? Tu as adhéré au parti? Effectivement, j'ai adhéré, c'est ma deuxième réunion en fait. Ok, c'est bon. Un petit mot de la fin. Au fait, je vous invite tous, je vous invite tous, en tout cas, venant relever ce Congo, parce que c'est notre, déjà, FDECO le dit clairement, la force pour le développement, en fait. Venant faire la force du Congo, notre beau et très cher pays. Je vous remercie.